Bonjour, bonjour, c'est Stéphanie, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Mon avis est sur un film. Pour ce soir, c'est un film qui est sorti le 29 mai 2002. Il dure 2h05, un film de George Hubby, avec Bruce Willis, Colin Farrell, Terrence Howard, un film genre guerre et nationalité américaine. Je vais vous parler d'un film, je ne sais pas si c'est réel ou pas, mais c'est un film de la Seconde Guerre mondiale. C'est Mission Évasion. Voilà, Mission Évasion. Pour cette histoire, c'est en fait Colin Farrell, il devrait aller dans un camp, je sais pas, mais il se fait arrêter par les Allemands. Après, il va aller dans un camp de prisonniers. C'est là qu'il rencontre le colonel allemand, je sais plus comment il s'appelle, Viseur, voilà, il se fait arrêter. Après, c'est là qu'il va rencontrer Bruce Willis, mais c'est un colonel américain, mais il a été prisonnier. Il est en charge pour être la sécurité un peu des prisonniers américains, c'est lui un peu le patron, quoi, voilà, un peu le machin. Mais pendant un tas d'instants, il va y avoir deux nouveaux Américains qui vont se faire prisonniers, mais ils sont des. En fait, ils ont la couleur de peau, quoi, voilà. Couleur de peau. Après, il va y avoir des embrouilles avec les prisonniers américains. C'est un peu, voilà, un peu raciste, tout ça. Et il va avoir un meurtre, il va avoir un meurtre. Après, Colin Farrell va être avocat. Il va être avocat. Et Bruce Willis va un petit peu être le juge, quoi. Le juge de cet embrouille, tout ça. Mais en fait, voilà pourquoi c'est Mission Invasion, mais en fait c'est une mascarade, quoi, en fait, voilà, une mascarade. Ils vont tous croire c'est les meurtres, tout ça, mais en fait c'est des sacrifices, c'est des sacrifices. Et après, voilà, je raconte pas trop l'histoire, mais c'est à vous de voir, quoi. Pour moi, ce film-là, ça mérite un 3 étoiles, un 3 étoiles quand même. J'ai aimé les acteurs, Colin Farrell. J'adore Bruce Willis. Aussi, ce film, ça parle beaucoup d'honneur, aussi de sacrifice aussi. Et voilà, quoi. Après, pendant cette période, hein, la Seconde Guerre mondiale, il y a beaucoup de sacrifices, hein, et d'honneur. Et voilà, quoi. Après, c'est à vous de voir si vous avez aimé ce genre de film. Moi, comme je dis, c'est un bon film à regarder une fois. C'est pour ça qu'il mérite 3 étoiles. C'est un bon film Après, je sais pas si c'est une histoire vraie, quoi. Mais ils disent pas, quoi. Ils disent pas c'est une histoire vraie. Mais voilà, quoi. Pour moi, c'est quand même un bon film. À vous de voir si vous avez bien ce film. Et voilà. Après, ce film-là, vous pouvez le trouver pas trop cher, hein. En Blu-ray, il est à 13 euros. 13 euros à la Fnac et sur Amazon. Vous pouvez le trouver. Voilà. Moi, je l'ai en DVD. Ça fait des années que je l'ai en DVD et ça me va, quoi. Après, voilà, il n'a pas eu de récompense, ce film-là. Après 2 heures, ça va. On voit quand même, c'est un film qu'il faut comprendre, tout ça. Mais voilà, voilà, quoi. À vous de jouer pour voir ce film, si vous avez déjà vu. À vous de me dire, quoi, si vous avez vu ce film, qu'est-ce que vous pensez de ce film. Et puis avant les camps de prisonniers, qu'est-ce qu'il y a eu, voilà, cette période de guerre, Seconde Guerre mondiale, voilà, quoi. Voilà, mes amis, moi je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas de donner des commentaires. Et voilà, moi je vous le commande quand même pour ce film, avec des très beaux acteurs, en plus des acteurs qui
qui sont pas trop mal. En plus, j'aime bien dans les films de guerre. Vous avez plein d'acteurs qui commencent leur carrière. Et puis dans ce film-là, il y a beaucoup d'acteurs voilà, qui commencent, quoi. Qui commencent de ces films-là. Voilà. Bon, allez, moi, je vais vous laisser. J'espère que vous a plu. Et je vous dis bye, à la prochaine. Bye, bonne nuit à tous.